Aujourd'hui, notre planète Terre est menacée par le changement climatique. J'ai décidé de faire de mon pays un Cameroun plus vert. Et pour y arriver, j'ai commencé par une grande campagne de sensibilisation dans les milieux et les associations régulièrement fréquentées par des jeunes. C'est-à-dire, j'ai bâti déjà une passée très forte. Et sur une fille qui a permis au moins de pouvoir donner une température normale. Sinon, c'est bien passé d'être à vos systèmes. J'ai fait très chaud sur la planète Terre. Et de même que lorsque je vois, ça touche même si je le vois. Et ensuite, je me suis rendu dans les domiciles. D'abord nécessaire de marquer le passage au moins avec quelques branches, de marquer. Ma petite fille qui m'appelle, et sûrement c'est pour que je lui présente son arbre, parce que j'allais la chercher. Désormais je touche pas, tu as employé. Hein, vas-y ton arbre ici, regarde. Ça a de belles feuilles, de belles fleurs. Hein? Si quand me touchais, tu refuses, tu dis que c'est mon arbre, c'est pour mes 1 an. D'accord. Okay. Happy birthday to you. Et pour finir, j'ai rencontré le directeur d'une des radios la plus écoutée de la ville. Il m'a autorisé à avoir des heures à l'antenne, ce qui m'a permis d'expliquer ce que c'est que le changement climatique et les mesures à prendre pour lutter contre cela. La déforestation tropicale. Nous devons aussi encourager la construction des bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages, eau, énergie et déchets ménagers. Chacun de nous a un rôle à jouer par nos actions individuelles et collectives. Lançons-nous dans la lutte contre le changement. Après ma campagne, ils étaient nombreux à participer au planting lab que j'ai organisé pour faire du Cameroun un pays plus vert. Merci.